Non, j'ai pas de ticket. Quelle heure est-il? Mon Dieu, déjà. Oh, bah, il faut que j'ai la dernière. Hein. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un ticket. Bah, naturellement, y a pas non plus d'employé. Y a quelqu'un? Oh, bah, c'est inadmissible. Qui délivre les tickets? Et comment je vais faire, moi? Vous avez un problème, monsieur? Oui. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu venir. J'ai besoin d'un ticket de métro et il n'y a pas d'employé. Peut-être pourriez-vous avoir la mobilité de m'en vendre un? Je suis pressé. Non, je suis désolé. Je n'ai qu'une carte orange et elle est strictement personnelle. D'ailleurs, quand bien même vous m'emprunteriez mon coupon magnétique, c'est moi qui ne pourrais plus passer, monsieur. Évidemment. Et nous en serions au même point. Gardez votre coupon, monsieur. Merci. D'ailleurs, je ne voulais pas proposer. C'est juste. Excusez-moi, où ai-je la tête? Ailleurs. De toute évidence. Bon, alors, bah, qu'est-ce que je vais devenir, moi? On m'attend? Évidemment. Votre femme. Évidemment. Comment le savez-vous, monsieur? Mais qui voulez-vous qui vous attende à une heure pareille, cher monsieur? Le pape? Évidemment. Puis-je me permettre de vous donner un conseil? Ah ben, je vous en prie, faites. Nous sommes seuls. N'hésitez pas. Sautez. Pardon? Par-dessus le portillon. Sans titre de transport? Mais je serai en infraction. Et vous n'avez pourtant que cette solution, cher monsieur, pour monter dans la dernière rame. Et s'il y avait un contrôle dans le train, qu'est-ce que je dirais? La vérité. Que j'ai sauté le portillon? Non. Que votre intention était d'acheter un ticket, mais qu'il n'y avait pas l'ombre d'un employé à la station. Et vous vous imaginez que le contrôleur me croira? Voyons, vous avez une tête d'honnête homme. Et de toute façon, à cette heure-ci, il n'y a plus de contrôle dans les trains. Ah, c'est ce qu'on croit, monsieur, c'est ce qu'on croit. Moi, si j'étais à votre place, je sauterais ce portillon en toute quiétude. Et la tête haute. La tête haute? Comme vous y allez. Et si l'on me voyait? Ah, mon Dieu, je saurais plus où me mettre. Ah non, je peux pas. Non, je n'ai jamais fraudé, monsieur, même le fisc. Comme il est plaisant par les temps qui courent de rencontrer quelqu'un comme vous, cher monsieur. Je vous comprends parfaitement et je vous félicite. Merci. Mais permettez-moi de vous dire que dans le cas présent, il y a force majeure. Vous devez sauter ce portillon ou attendre plusieurs heures là-haut sous la pluie. Après tout, il y a des taxis. Soyons sérieux, vous n'avez que 3 francs sur vous. Comment le savez-vous? Voyons, si vous étiez vraiment pressé, monsieur, il y a longtemps que vous seriez dans un taxi. Allons, un petit effort, sautez ce portillon, monsieur. Voulez-vous que je vous aide, que je vous fasse la courte échelle? Non, inutile d'insister, j'attendrai que l'employé reprenne son travail et j'achèterai un ticket. Je préfère avoir la conscience tranquille. Égoïste. Et votre femme, vous y pensez un peu, à votre femme? Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer, la malheureuse? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Elle va virer, tourner, se broyer les mains d'inquiétude. Elle va téléphoner partout pour savoir si on vous a vu. Oui, elle va téléphoner partout. Elle va réveiller la moitié de Paris. Oh, c'est affreux, monsieur, vous avez raison. Non, il faut que je rentre. Sautez. Et vous croyez vraiment qu'il n'y a que cette solution? Mais c'est la seule possible, monsieur. Allons, un peu de courage. Sautez, le train va arriver. Ah, oh, j'ai le désir de tout mon être, monsieur, mais je n'y arriverai pas. Encore une fois, je vous comprends et je vous félicite de vos scrupules, ils vous honorent, mais je vous en conjure, sautez! D'avance, je vous absous. Vous? Parfaitement, je vous absous, monsieur. Mais, à quel titre? En tant que retraité du métropolitain. Ah, vous êtes de la maison? Ah bon, ça change tout. Ah, vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Je ne fais état de mes qualités que dans les moments extrêmes, cher monsieur. Ah, votre modestie vous honore. Merci. Alors, je peux vraiment sauter? Mais je me tue à vous le répéter. Vous êtes sûr qu'il ne vient personne? Mais personne, faites vite! Et que l'on ne me fera pas d'ennui? Aucun, vous avez ma parole. En ce cas, qu'est-ce que vous attendez? Bah, laissez-moi le temps de me préparer psychologiquement à la commettre cette infraction et physiquement aussi, monsieur. 1, 2... 1, 2... Et hop, je saute! Ben voilà qui est fait. Oh, je suis tout rouge de honte. On le serait à moi, monsieur. Veuillez me présenter, je vous prie, votre titre de transport. Oh, très drôle, ça, on s'y croirait. Je ne plaisante pas, monsieur. C'est que vous ne m'en avez pas l'air, en effet. Non, veuillez me présenter votre titre de transport, contrôle. Mais je n'ai pas de titre de transport, monsieur. Comment ça, vous n'avez pas de titre de transport?
C'est vous qui plaisantez. Mais non, pas du tout. Vous le savez très bien. Je viens de sauter le portillon sous vos yeux. Et vous vous en vantez, monsieur, et vous n'avez pas honte. Oh, moi, je m'en vante. Non, je m'en vante pas. Je reconnais, c'est tout. Comment faire autrement? C'est vous-même qui m'avez conseillé. Il ne fallait pas vous laisser tenter. Nom, prénom, domicile légal. Enfin, c'est invraisemblable. Non, cessons de jouer, voulez-vous? Je suis pas d'humeur à cela. Ça tombe bien, moi non plus. Je me dois de vous prévenir que je suis contraint d'encaisser l'amende sur le champ, faute de quoi le règlement m'oblige à en doubler le montant. Mais je n'ai que 3 francs dans ma poche. Je ne veux pas le savoir. Oh, ben ça alors, c'est un peu fort. L'amende est de 50 francs. Je vous délivrerai un reçu. Mais puisque je vous dis que je n'ai que 3 francs... Cela vous apprendra, monsieur, à vouloir vous remplir la carcasse dans un restaurant bien au-dessus de vos moyens. Parce que vous savez cela aussi? Mais... de quoi vous mêlez-vous? Qui êtes-vous? J'attends mes 50 francs. Bon. Voyons, restons calmes, tâchons de maîtriser la situation. Ah, j'ai compris. Ah, vous ne supportez pas la retraite. Pardon? Ben oui, c'est ça. Vous êtes un maniaque du contrôle. Votre ancien boulot vous obsède. Vous avez la nostalgie de ces couloirs sales et malodorants. D'accord, je joue le jeu. Après tout, vous m'avez coincé. Je suis en faute, je dois payer. Tenez, prenez mes 3 francs. Et foutez-moi la paix. Trouvez une autre tête de turc. Je ne suis pas à la retraite, monsieur. Voilà ma carte et mon numéro matricule. Contrôleur? C'est pas une plaisanterie. Je ne suis pas encore à la retraite, mais j'ai tout de même passé l'âge des blagues de collégiens. Vous me devez encore 47 francs. Alors vous vous êtes carrément foutu de moi! Je ne fais que mon métier, monsieur, et mon métier consiste à encaisser des amendes. Même au prix d'affreux mensonges? À n'importe quel prix, monsieur. 47 francs, et vite. Oh, ça, mais je vais porter plainte. Ne me faites pas rire, je vous en prie, ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Je ne paierai pas cette amende. Rendez-moi mes 3 francs, monsieur. Récalcitrant, en plus. Jolie mentalité, décidément. Je note, mauvais pour vous, ça, très mauvais. L'amende est triplée. 150 francs, monsieur. Et vite. Rendez-moi d'abord mes 3 francs. Quels 3 francs? Vous ne m'avez pas donné 3 francs? Mais... vous avez un reçu? Non. Bon. Ben n'en faites pas trop, monsieur. Restez plausible. Oh, cela m'arrive rarement, mais je sens que je vais vraiment m'énerver. Vous êtes dans votre tort. Vous n'avez aucune raison valable de vous énerver. Nom, prénom, domicile légal. Je refuse, monsieur, catégoriquement, de me plier à votre interrogatoire. Parfait. Je me vois donc dans l'obligation de le mentionner également. Enfin, vous savez parfaitement que mon intention était d'acheter un ticket, mais qu'il n'y avait pas d'employé dans cette station pour m'en délivrer. Tant que les stations sont ouvertes, il y a des employés, monsieur. Mais... s'il n'y a plus d'employés, c'est que la station est fermée, compris? Oui. Or, cette station est ouverte. Mais je vous dis pas le contraire. Non, c'est tout. Enfin, vous avez pu constater vous-même de visu... Je n'ai rien constaté, monsieur. Ce que je constate, c'est que vous voyagez sans ticket et que les arguments dont vous faites état pour votre défense ne prouvent que votre mauvaise foi. Nos employés sont aussi des êtres humains. Ils sont en droit de quitter leur service épisodiquement pour satisfaire à des besoins naturels. Il fallait être patient, monsieur. Je vous en prie! Taisez-vous! Ma tête va éclater! Alors, je note. Durantin Joseph, 37 avenue de la Porte de Choisy, 3e gauche, escalier court. Vous connaissez mon nom? Vous connaissez mon adresse? Profession, cadre commercial. Marié, sans enfant. Employeur, société Bermuda et fils. C'est bien votre employeur, n'est-ce pas? Oui. Bon. Non. Quoi? Enfin, je sais plus. Ce n'est pas votre employeur, Bermuda et fils? Non, laissez-moi. Si, monsieur, c'est votre employeur. Et depuis 15 ans. Heure du délit, 00:35. Objet du délit, l'intéressé voyageait sans titre de transport. Sans titre de transport. Quelle horreur!
Mais vous n'avez pas honte, Joseph Durantin? Ne prononcez pas mon nom. Vous qui passez aux yeux de tous pour l'homme le plus honnête du monde? Ah, votre compte est bon, mon ami, désormais vous êtes fiché, on vous aura à l'œil, partout. Et à la moindre récidive, clic, on vous réduira. La fête? Non, non, le compte en banque. Nous ne vivons tout de même pas dans une société de sauvages. Monsieur, je vous somme de m'expliquer le pourquoi de votre conduite et la source de vos renseignements me concernant. Mais inutile de vous le cacher plus longtemps, monsieur Durantin, il est des moments où je suis atteint subitement d'une effroyable surdité. Je n'ai pas entendu votre dernière phrase. Vous serez convoqué sous 8 jours pour payer votre amende devant les instances supérieures du métropolitain. Je m'expliquerai. Encore une fois, n'en faites pas trop. Vous aurez beaucoup de mal à échafauder une thèse qui tienne debout. Et n'oubliez pas que je serai cité comme témoin. Ce sera ma parole contre la vôtre, cher monsieur Durantin. Votre parole? Vous ne pourrez pas lutter contre moi, je suis trop fort. Et si on essayait? 5 minutes? Hein? Non. Hein? Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Gardez votre sang-froid, je vous en prie! Et ne faites pas le fanfaron! Et baissez les yeux! Et remettez vos petits souliers de constipé! Cela vous va très mal ce soir de vouloir jouer les justiciers, Joseph Durantin? Allons, allons, laissez-vous à nouveau envahir, que dis-je? Laissez-vous dévorer par le remords, par la honte de l'horrible action que vous venez d'accomplir dans ce quartier. Oh, finalement, sauter un portillon dans le métro, vous savez. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que vous avez fait avant. Avant? Vous savez aussi? Je sais tout. Oh, mon Dieu. Vous venez de commettre un crime. Un crime odieux, Joseph Durantin. Au 60 rue des Alouettes, 7e étage sur jardin, porte 49. Oh, monsieur, je... Je me trompe? Hein? Non. Et vous vous êtes enfui comme un voleur. Vous vous êtes précipité dans cette station de métro, les jambes toutes tremblantes d'émotion. Et que voulez-vous, manque d'habitude, ce n'est pas à votre âge que l'on commence à tromper sa femme, mon cher ami. Surtout avec une petite secrétaire qui se fout de vous comme de l'an 40. Oh, Nathalie, même! Oui, je sais, elle vous l'a dit. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Et puis, il fallait bien qu'elle vous remercie pour le repas au restaurant. Enfin, qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Souvenez-vous qu'il m'arrive subitement d'être sourd, les lois étranges de la nature. Je vous épate, n'est-ce pas? Un peu. Confidence pour confidence, vous aussi, vous m'épatez. Voilà un bon petit Français, honnête, travailleur, fidèle à son épouse comme il n'est pas permis depuis des lustres. Une espèce rare dont on est en droit de n'attendre aucune incartade. Et tout d'un coup, un soir de pluie, allez savoir pourquoi, c'est la révolution. On gaspille son argent, on trompe sa femme, on tente de frauder dans le métro. Alors, à mon tour de poser des questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, cessez de me culpabiliser. Ce n'est pas une réponse. J'ai sommeil, monsieur, j'ai besoin de dormir. Vous ne pourrez pas dormir ce soir, surtout aux côtés de madame Durantin. Vous devrez vous mettre en règle vis-à-vis de votre conscience, mon cher ami. Ce sera long et difficile. J'y arriverai. Non. Je vous dis que j'y arriverai. Et peut-être bien, au fond. À condition que l'on vous aide. Oh, qui voulez-vous qui m'aide dans une telle entreprise? Moi. Oh, c'est trop aimable. Vous êtes un homme au bord du gouffre. Acceptez mon bras. Ne faites plus un pas sans moi. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque. Mais qu'est-ce qui fabrique ce métro? Vous êtes faible, Joseph. Vous ne pourrez pas cacher plus longtemps à madame Durantin votre incartade de ce soir. Et ce sera le drame. Vous la connaissez mieux que moi, elle ne vous pardonnera pas. Non, elle ne me pardonnera pas. Il est vrai que c'est une épouse modèle. Pauvre Charlotte. Pauvre Joseph. Ah, je ne supporte pas de voir un couple qui se déchire.
Alors je vous offre un marché. Je vous prends en main, mon cher. Je résous tous vos problèmes. Je fais de vous un homme heureux et comblé par la vie. Un homme qui plus jamais ne regrettera la moindre de ses actions ou de ses initiatives. Alléchant, non. Vous m'inquiétez de plus en plus. Et puis ce métro qui vient pas? Il n'arrivera pas avant que j'en ai terminé. Bon, alors faites vite, je suis pressé. Naturellement, en échange des services considérables que je vous propose, vous pensez bien que j'exigerai de votre part un petit sacrifice. Oh, rassurez-vous, un tout petit rien, un geste insignifiant, ridicule, une formalité. Une petite signature, là, au bas de ce parchemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Lisez. Mais j'ai pas mes lunettes. Et naturellement, vous les avez oubliés rue des Alouettes, tête en l'air. Oh non, non, c'est pas vrai. Ah, si. Et tenez, tenez, prenez les miennes. Merci. Lisez. Oh, c'est une plaisanterie? Non, lisez, lisez jusqu'au bout. Vous signez et je m'occupe de vos lunettes. Vous les retrouverez au réveil sur votre table de chevet, avenue de la Porte de Choisy. Vous ne signez pas... Et c'est le drame. La petite secrétaire vous les rapporte chez vous, en toute innocence. Et naturellement, c'est Madame Durantin qui lui ouvre. Vous imaginez la suite. Alors, vous avez terminé votre lecture? Mon âme? Que je vous vende mon âme? Mais qui êtes-vous, monsieur? Vous n'avez pas deviné? Reprenez votre torchon, je crois pas au diable. Et vous n'êtes pas le seul. Nous vivons dans une époque de mécréants. On ne croit plus à rien de nos jours, c'est décourageant. Et je m'appelle Antoine. Nous nous connaissons suffisamment pour que je vous autorise à user de ce prénom à mon égard. Bon, écoutez... Je crois qu'il vaut mieux cesser là nos rapports. Non, ce serait dommage pour vous et pour moi. Cette rencontre est inespérée. Oh, le recrutement pour moi devient de plus en plus difficile. Oh, à votre tour, n'en faites pas trop. Hein. Des milliers d'âmes m'échappent aujourd'hui que je n'avais aucun mal à avoir autrefois. Oh, vous allez me faire pleurer, Antoine. Non, n'ironisez pas, je vous en prie, je suis dans une situation critique. Oh, pourtant, les esprits pervers ne manquent pas. Mais non, non, ils prolifèrent, bien au contraire, mais on les excuse, on leur pardonne. Même chez mon concurrent, où ils ont leurs entrées sans examen de passage. La tolérance n'a plus de limite, les valeurs les plus sûres s'effondrent. On permet tout, on comprend tout. Je ne dors plus, Joseph. Je suis contraint d'errer toutes les nuits à la recherche de la proie pure et solitaire que je pourrais pour un instant écarter du droit chemin. Dois-je comprendre que dans mon cas... Vous étiez déjà conditionné, vous veniez de fauter, Joseph, et vous en aviez honte, vous étiez la proie idéale. Et signé. Je vous réserve une place chez moi bien au chaud, et je vous libère du poids de vos remords. Signé. Non, Joseph. D'ailleurs, voilà le métro. Signé. Signé ou je peux vous assurer que vous allez au-devant des pires catastrophes. Jamais. Vous avez tort, Joseph. Vous avez tort. Votre vie, désormais, va devenir un enfer. Vous êtes encore là, vous? Je ne vous quitte plus. Vous allez avoir besoin de moi. Présomptueux. Oh, mon Dieu! Pardon? Oh, idiot, bah, c'est pas à vous que je m'adresse. Je me disais aussi, quelle promotion. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Joseph? Vous êtes tout pâle. Vous ne supportez pas le métro? Surtout, restez où vous êtes. Ne bougez pas d'un centimètre. Si vous me dites pour quelle raison... Plus tard, pour l'instant, faites ce que je vous dis, je vous en prie. Non, mais voilà qu'il me donne des ordres, maintenant. C'est plaisant. Pour qui me prenez-vous, Joseph? Voyons, je sais parfaitement ce qui vous gêne.
Vous venez tout simplement de découvrir votre femme, là-bas, assise dans le fond du wagon. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait dans le métro, une heure pareille? Allez le lui demander. Ah non, surtout pas! Cachez-moi! Ne bougez plus! Joseph, vous êtes un ami, laissez-moi vous parler en toute franchise. Vous n'êtes pas un bon tacticien. De toute façon, vous allez devoir mentir, alors je vous en prie, faites cela en professionnel. Ne lui laissez surtout pas l'initiative de la découverte. Allez plutôt au-devant d'elle, prenez l'avantage. Vous avez raison. J'y vais. Et n'oubliez pas que je suis là, si vous avez besoin de moi. Charlotte, ça alors? Ah ben, je savais bien que c'était toi. Joseph, si je m'attendais à... et moi donc? Mon chéri, il faut que je t'explique. Charlotte, tu dois te demander... Figure-toi que je dormais déjà pourquoi profondément. Pourquoi tu me trouves sur cette ligne de métro? Quand tout à coup, je suis réveillée en sursaut. Alors que, je t'avais dit que j'allais dîner vers l'étoile avec Bermuda Fils et quelques bons clients. Écoute, voilà. Alors, c'est très simple, Charlotte. Je me lève à tâtons, je décroche. Figure-toi que Bermuda Fils, qui change d'avis, hein, comme et de cravate... Et tu sais qui c'était? A décidé comme ça, sur un coup de tête, que nous irions au but la de Chaumont. La tante Berthe. Alors qu'il m'avait expressément chargé de retenir une table à l'étoile. C'était atroce, Joseph. Elle haletait au bout du fil. Elle disait que ça n'allait pas, qu'elle avait besoin de naturellement, moi, j'ai pas jugé utile de te prévenir de ce changement de programme dont j'imaginais que tu t'avais vraiment rien moi, à faire. Moi, j'ai cru qu'elle allait rendre l'âme. La tante Berthe, mon Dieu, il est arrivé quelque chose? J'espère que tu n'as pas trop mangé dans ce restaurant. Tu sais que le médecin t'interdit les excès. Non, mais tu as fait le nécessaire, tu as appelé du secours. D'autant que ton Bermuda Fils a une solide réputation d'ogre et d'alcoolique. Elle est sauvée? Demain, que tu le veuilles ou non, je te mets à la diète, mon chéri. Rassure-toi, non, j'ai été très raisonnable. Du secours? Pourquoi voulais-tu que j'appelle du secours? Laisse-moi terminer. D'ailleurs, tu vas restaurant voir. Ne cassait rien. Naturellement, tu me connais, moi, à peine le récepteur raccroché, je me suis habillée, j'ai couru chez tante Berthe. Peu de rendez-vous de snobs en plus. J'arrive, je sonne, elle m'ouvre. Ah bon? Ah, tout de même. Elle était debout? Oui. Et tu sais ce qu'elle avait? Non. Rien. Et pourquoi t'avait-elle appelé? Pour Titus. Titus? Son canari. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il était chauve. Chauve? Oui. Il avait perdu toutes ses plumes, si tu préfères. Oh, pauvre bête, mais enfin, comment a-t-il fait son compte? Moi, je soupçonne la tante Berthe de l'avoir pris pour un poulet dans un accès de fièvre. Bah enfin, tu lui as pas demandé? Je ne lui ai rien demandé du tout, j'étais furieuse. Moi, je me fous de Titus comme de ma première chemise. Cette histoire m'avait mise dans un état mais épouvantable. Moi, j'ai cru que j'allais me trouver mal. Et puis non, tout bien réfléchi, j'ai opté pour la crise de nerfs. Chez la tante Berthe? Évidemment. Il a fallu qu'elle appelle un médecin. Ma pauvre Charlotte. Et elle a obligé ce jeune docteur à ausculter Titus avant moi. Écoute, mais ça valait vraiment pas la peine de te mettre dans un état pareil. Tu sais bien que la tante Berthe est folle. Tout de même, j'aurais préféré qu'elle plume son canari un soir où tu étais à la maison. Me réveiller comme ça, dans mon premier sommeil, pour un canari chauve. Moi qui ai déjà tant de mal à dormir. Oh, Joseph. Oh, je t'en prie, Joseph, essaye de me comprendre. Pardonne-moi. Je suis dans un état épouvantable. Mais je te pardonne, Charlotte. Je te pardonne, d'ailleurs. Ne t'ai-je pas toujours pardonné? Si, merci, hein? Joseph. Oh, toi, tu es le meilleur des maris. Dommage que tu aies cette tante Berthe. Je trouve que je m'en sors pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin? Je pense que c'est ignoble de mentir de la sorte à sa femme. Vous êtes trompé, mon cher. Ma vie ne sera pas un enfer. Ayez donc un peu de patience. Voici la prochaine station. Oh, faites pas l'innocent, vous le savez parfaitement. C'est vous qui leur avez donné rendez-vous, c'est pas possible. Nathalie, elle vient de monter. J'ai vu. Vous n'avez vraiment pas de chance, mon pauvre ami. De vous avoir rencontré, c'est certain. Enfin, comment Nathalie peut-elle se trouver là? C'est diabolique. Oh, pardon. Elle vous le dira, soyez tranquille. En attendant, il va vous falloir l'affronter. Défutée comme elle l'est, je suis persuadé qu'elle va mettre les pieds dans le plat. Oh là là. Ça nous promet du spectacle.
Ah, mon cher ami, pour rien au monde, je ne voudrais être à votre place. Ça y est, elle vous a vu. Mais c'est Joseph! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore debout à cette heure-ci, mon gros Minet? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu traînes? Joseph, tu m'entends? Qui est cette personne? Ah, bah, je sais pas, je la connais pas, une folle. Il n'y a plus que ça dans le métro, on la regarde pas. Joseph, enfin, tu dors ou quoi? Bah, elle t'appelle par ton prénom. Bah, alors, les fous ont très souvent une immense intuition. Joseph! J'aime bien qu'on me regarde quand je cause. Regarde-moi, Joseph! Mais elle va nous faire remarquer, cette idiote. Bah, fais comme si tu la voyais pas, évite son regard, Charlotte. Ah non, mais il m'ignore, l'animal, il me méprise, sciemment, après ce qu'il m'a fait. Phallocrate! Oh, elle devient grossière maintenant. Pourtant, tu ne me méprisais pas tout à l'heure, mon Minet. Tu étais plus loquace. Pauvre idiote, tu m'as bien eu avec ton baratin. Je ne suis pas une femme objet. Tu vas me parler ou je hurle? Écoute, Nathalie. J'écoute. Non, décidément, je vous connais pas, mademoiselle. Vous faites erreur. Je vous prie de ne pas m'importuner davantage. Je comprends. Ah, tout de même. Mon Minet a oublié ses lunettes dans ma salle de bain. Et il est un tantinet dans le brouillard. Il ne reconnaît pas sa Nathalie. Touche-moi, palpe-moi. Tu reconnaîtras peut-être les formes. Oh, mademoiselle! Non, rien à faire. Il a décidé de me snober, le salaud. Je vous prends à témoin, messieurs, dames. Voilà un homme qui, il y a moins d'une demi-heure, me susurrait encore à l'oreille mon petit oiseau. Mon vol au vent. Ma petite dinde à moi. Mon poussin mignon. Oh. Ma limousine décapotable préférée. Sic! Et maintenant, je ne suis plus qu'un pet de lapin. Il s'est servi de moi et il me jette à présent comme une vieille chose usagée dont on n'a plus que faire. Je ne supporte pas d'être traité comme une chose. Joseph, où sont tes lunettes? Mes lunettes Joseph, je veux voir tes lunettes tout de suite. Entre nous, madame, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de type? Ce que j'en pense. Laissez madame tranquille, je vous prie. Alors, tu les as trouvées, ces lunettes? Non, bah, c'est-à-dire que j'ai dû les laisser dans une salle de bain. Oh, Charlotte, qu'est-ce que tu vas imaginer? Ce que j'en pense, je vais vous le dire, mademoiselle. Joseph, j'exige des explications. Ah, parce que vous êtes ensemble. Vous auriez pu le comprendre plus tôt, mademoiselle. Et c'est à cause de ça que tu fais de m'ignorer? Ah non, alors là, vraiment, je m'amuse. Voilà qu'il est pris d'une passion soudaine pour les antiquités. Les antiquités? Joseph, d'où sort cette fille? Bah, écoutez, je vous en prie. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous donnons un spectacle. Du caniveau, madame. Je sors du caniveau où j'ai été élevée. Je m'en doutais. Oh, elle dit n'importe quoi, Charlotte. Calme-toi. Et je vais t'expliquer. Il y a un moment que je les attends, tes explications. Eh bien, voilà. Cette fille est la secrétaire d'un gros client de Bermuda. Exact. Alors tu la connais? Évidemment. Je la vois de loin en loin, au hasard des réunions de travail. Exact, si on roule sur les mots. Et c'est une nymphomane excitée, donc j'ai un mal froid de paraser. Nymphomane excitée? Alors, je n'ai pas jugé utile de t'en parler, Charlotte. Et tes lunettes? Je vous les rapporterai demain. Oh, soyez correcte, mademoiselle. Cette personne est mon épouse. Mes lunettes? Elle me les aura subtilisées dans l'après-midi en réunion de travail. Son épouse? Parce qu'il a une épouse en plus. Il faut que vous sachiez, madame, que dès que vous avez le dos tourné, il vous raye carrément de la carte. Monsieur, joue les célibataires, tombeur irrésistible. Nathalie! Elle est folle. Allons, ne perdez pas pied, Joseph. Prenez le taureau par les cornes, si je puis dire. Ne laissez pas la situation vous échapper. Joseph, j'attends toujours des explications. Plausibles. Eh bien, oui, Charlotte, cette jeune femme est ma maîtresse depuis ce soir. Ah, tout de même, on rétablit la vérité. Mon Dieu. Oh, je sens que je vais me trouver malade. Ah non. Si, ça y est, je me trouve malade. Ah non, Charlotte, Charlotte. Bonsoir. Charlotte, mais faites quelque chose, et vous? Aidez-moi, oui, mais qu'elle se trouve mal. Allongez-la sur la banquette, là, voilà. Maintenant, giflez-la. Avec plaisir. Charlotte? Ça va mieux, Charlotte? Elle ouvre un œil. Charlotte! Mon petit Charlotte! Elle ouvre l'autre. Oui, ça va mieux. Ça va même très bien à présent. Je viens de prendre une décision. Définitive. Laquelle? Ah, ne me touche pas, toi, monstre. Et disparais. J'aurais dû écouter ma mère, qui était une femme lucide, et ne jamais t'épouser. Mais Charlotte! Ne prononce plus mon nom, je te prie. Écoute, il faut que... Me mentir, effrontément. Me tromper avec une gamine, froidement. Un soir où je m'occupe de ta tante Berthe. Mais c'est ignoble, Joseph. Ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Adieu, je descends la prochaine. Tu ne me reverras plus, jamais. Charlotte, mais où vas-tu aller? Charlotte! Elle
Elle est partie, mon vieux. Mais où? Enfin, c'est insensé. Bon, je descends, viens, toi. Mais non, mais je ne descends pas là, moi. Je te dis de descendre. Ça s'est fait remarquer dans ce wagon, tu crois pas? Maintenant, tu vas m'expliquer ce que tu faisais dans le métro. J'avais une course à faire. À une heure pareille? C'était urgent. Oh, ne me prends pas pour un idiot. J'ai sauté dans ma voiture dès que tu as été parti, seulement, comme par hasard, cette idiote est tombée en panne après environ 800 mètres. Alors je suis descendue dans le métro. Ça te va? Naturellement, la panne, c'était beau. Peut-être. Où allais-tu? Écoute, on n'est pas mariés, hein? Ah, c'est vrai. Bon, pardonne-moi Nathalie, je mélange tout, je sais plus où j'en suis. Je vis une drôle de nuit, tu sais? Moi aussi. Cette façon que tu as eue de me traiter dans le métro. Mais Charlotte était là, tu aurais dû comprendre tout de suite. Je sais, je suis une idiote. Je pourrais tout de même pas lui mettre un écriteau sur le front. Attention, c'est ma femme. Non. De toute façon, je n'aurais pas compris non plus. Ah, écoute, Nathalie. Maintenant, tout est clair pour toi. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Tu sais, je suis pas habitué à ce genre de situation. Je suis très maladroit. Et puis tu as raison, je suis fautif, tiens. Si je t'avais dit que j'étais mariée, tu aurais peut-être mieux compris. Je le savais. Que tu étais mariée. Qui te l'avait dit? La secrétaire de Bermuda Fils. Oh, l'idiote! Et tu me laissais te raconter que... Tu m'amusais avec ton bluff. Oh, je suis un lâche, Nathalie. Je n'aime plus Charlotte depuis des années et je n'ose pas le lui dire. Nous vivons en hypocrite, comme des milliers de couples. Et voilà que, tout d'un coup, grâce à toi, je suis libéré. Je me sens léger. Léger. Oh, je t'aime, Nathalie. Ben voilà autre chose. Tu te souviens? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, dans l'oreille droite. Tu ne m'as pas cru. Ben non, vous le dites tous dans ces moments-là. D'ailleurs, toi aussi, tu me l'as dit, dans l'oreille gauche. Ça, je m'en souviens parfaitement. T'es drôle, il faut bien dire quelque chose, autrement, on a l'air bête. Nathalie. Allez, va te coucher maintenant. Ah, si, c'est avec toi tout de suite. Non, pas avec moi. Nathalie, mais pourquoi? On m'attend. Qui? Qui t'attend? Un garçon. Je ne te crois pas. Libre à toi. Nathalie! Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. On n'est pas de la même génération, toi et moi. Et puis, je suis une fille très compliquée. Adieu, Joseph. Nathalie, ne me laisse pas. Écoute, sois raisonnable, s'il te plaît. Tu es un grand garçon, non? Nathalie, mais je suis seule, moi. Maintenant, seule. Il faut que je parte. Nathalie, mais on pourrait être heureux, toi et moi. On aurait une grande maison à la campagne avec des poules et des moutons. On aurait un gros chien de berger. On aurait... Oh non, non, ne m'abandonne pas. Je veux pas rentrer chez moi. Il y a même plus Charlotte. Je supporte pas la solitude. Nathalie, reste avec moi. Je ne t'aime pas, Joseph. Je ne t'aimerai jamais. Mais pourtant, ce soir... Tu veux savoir la vérité? Oui, je t'en prie. Je vais te faire mal. Tant pis. J'avais fait un pari avec la secrétaire de Bermuda Fils. Un pari? Oui, elle te savait fidèle à Charlotte et elle, malgré plusieurs tentatives dont tu dois te souvenir, n'avait pas pu t'avoir. Je lui ai dit que si je voulais, voilà, c'est tout. Nathalie! Oublie-moi, Joseph. Nathalie! Nathalie! Reviens! Ah, lâche-moi! Mais je t'aime, moi, Nathalie! Mais non, lâche-moi! Mais je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Mais tu es fou! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais lâche-moi! Tu me fais mal! Ah! Tu m'étrangles! Oh! Oh non! Oh non, c'est pas possible! Oh non, j'ai pas pu faire ça! Je ne l'ai pas! Antoine! Antoine! Tiens, mon ami Joseph m'appelle. Sauvez-moi, Antoine. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis devenu fou. Je l'ai étranglé. T'es malin. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Et je vous avais prévenu, mon vieux. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Signer. Signer, je me charge de tout. Vraiment? Puisque je vous le dis. Enfin, c'est pas possible. Elle est morte, Antoine. Signer. Mais je suis un assassin. Signer. C'est votre seule chance, Joseph. Évidemment, j'ai plus grand-chose à perdre. Que votre âme. Signer. Merci. Vous voyez que ce n'était pas si compliqué. Mais qu'est-ce que ça change pour moi? Tout. Rentrez chez vous, Joseph. Votre femme vous attend. Charlotte? Mais... Ne me posez pas de questions. Tenez. Tenez, voilà de l'argent pour un taxi.
Il y en a un qui vous attend devant la bouche de métro. Vous vous sentez mieux? Oui, on dirait. Mais continuez à vous détendre. Pensez à autre chose. Mais, Nathalie... Je m'en occupe. Allez. Allez. Charlotte? Hé, Charlotte, tu dors? Ah, c'est toi. Ah, je te réveille? Non, rassure-toi, je dormais pas tout à fait. Charlotte, je voulais te dire... Quoi, quelle heure est-il? Je voulais te dire, et il faut m'excuser pour cette scène ridicule dans le métro. Hein? Quelle scène? Eh bien, là... Tu es fatigué, hein? Mon chéri, ou alors tu as trop bu. Ce Bermuda Fils est un mauvais exemple, décidément. Le dîner s'est bien passé? Oui, très bien. Faut te coucher maintenant, puisqu'il est si tard. Ah oui, tout de suite. Excuse-moi, j'ai d'abord un coup de fil à donner. Le boulot. Ah, oh, sacré boulot. Je reviens. Dors. Allô? Allô? C'est toi, Nathalie? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Joseph? Tu es bien vivante? Je rêve. Tu rêves? Eh bien, moi aussi j'ai rêvé, figure-toi. Salaud. J'ai rêvé que tu m'étranglais dans un couloir de métro. Non. Si. C'était horrible, tu peux me croire. Oh, j'imagine. Nathalie, je voulais te dire, il vaudrait mieux qu'on ne se revoie pas tous les deux. C'est ce que je pensais aussi, figure-toi. Décidément, les grands esprits. Restons sur ce bon souvenir. Oui. Oh, c'était merveilleux, Nathalie. Tu m'excuseras, mais j'ai terriblement sommeil. J'espère que je vais pouvoir me rendormir. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Vous voyez, j'ai tout arrangé. Mais comment? Je comprends pas. Je l'ai vue morte dans cet horrible couloir. Elle l'était. Et vous l'avez... Enfin, je veux dire, vous avez aussi ce pouvoir. Disons que j'ai de petits arrangements avec mon concurrent. Une petite piqûre et j'ai reconduit Nathalie chez elle où elle venait de se réveiller. Mais attention, vous restez malgré tout un assassin, Joseph. La petite n'est qu'en sursis. Il va falloir que je régularise. Vous voulez dire que... On ne peut pas tout de même bouleverser l'ordre des choses. Elle aura un accident idiot dans la semaine. Mon Dieu. Et elle filera tout droit là-haut. Bah. À chacun ses clients, cette bonne guerre. Mais rassurez-vous, vous êtes blanchi, vous êtes un assassin qui n'aura rien à craindre. Vous aurez simplement contribué quelque peu à pousser le pot de géranium que Nathalie recevra sur la tête en se rendant à son travail. Mais c'est affreux. Vous avez des remords? Oh non. Non, ce pot de géranium, je n'y suis pour rien. Bravo, vous me plaisez. Et Charlotte,
Comment avez-vous fait pour Charlotte? Oh, ça a été encore beaucoup plus simple. Votre femme est aussi ma cliente. Oh, vous voulez dire? Qu'elle m'a vendu son âme, elle aussi. Mais elle n'avait aucune raison de le faire. C'est ce que vous croyez. Pauvre Joseph, tout ce qu'elle vous a raconté dans le métro n'était qu'un tissu de mensonges. Ah, la pauvre tante Berthe a bon dos. Et c'est une aubaine qu'elle soit folle. Charlotte vous trompe depuis 10 ans. Et ce soir encore. Non. Donc, j'ai eu beaucoup moins de mal avec elle qu'avec vous. Charlotte? Ah ben ça alors. Vous êtes quittes. Vous savez tous les deux à quoi vous en tenir. Continuez à vivre. Et vous serez heureux malgré tout, comme tant d'autres. Plus tard, vous vous retrouverez chez moi pour la vie éternelle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas si terrible qu'on veut bien le dire. Allez, allez vous coucher, Joseph. Et dormez, vous en avez besoin. Non, et surtout ne me remerciez pas. Nous aussi, nous sommes quittes. À bientôt. Dans très longtemps, j'espère. Pour vous. Te voilà. C'était pas grave, ce coup de fil. Non, c'était pas grave. Bon. Je peux éteindre. Oui. Tu peux éteindre. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, mon chéri.